Voilà. Au début, c'était un vrai donut. Et franchement, je crois que je vais pas le finir. Enfin, c'est honteux, j'ai payé genre 5 balles pour ça, mais je peux pas. Je peux pas, c'est pas bon. Parce que là, vraiment, un donut comme ça, ça te fout dans le mal, quoi. C'est géant et j'enjoy pas l'after. Vous n'imaginez pas, genre je suis mes claques, mes claquaxes totales, vraiment. Je suis beaucoup jet lag. C'est très dur là. Là c'est vraiment, ça me tape fort. That's what she said. Vous avez vu la taille du pose, ça fait deux fois ma tête le truc. C'est énorme. Ils disent genre une serving, genre une part, c'est la moitié du pot. Je crois pas, non. T'as quatre parts dans la moitié de ton pot là. Et franchement, en fait, quand on est en galère, je trouve les pâtes sauce tomate. Quand tu connais pas le pays, les pâtes sauce tomate, c'est la vie. Ça te sauve tellement. Par contre, le fromage, c'est risqué, j'ai l'impression, là. J'ai acheté un truc qui avait en Australie. J'ai acheté ça. Genre, c'est du fromage de la mozzarella, je crois. Mais il y avait pas, genre, le parmesan ici, c'est le parmesan dégueu qu'on achète en boîte. Je ne veux pas manger du parmesan en boîte. The next day. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire une autre visite. Et c'était pas terrible, c'était super cher. Et limite, ça ressemblait à un hôtel. Enfin, ça m'a vraiment angoissée. C'était un peu triste. J'ai un peu badé, j'avoue. J'ai eu un coup au moral parce que je me suis dit je rencontrerai jamais personne. Je vais être seule au monde, je suis. Mais ce matin, je me suis dit terre, je me dis Adelaide, c'est bon, tu vas reprendre ton énergie, tes forces. Je suis inscrite à un cours de pilates à côté de chez moi. Je me dis, oh, voilà, quitte à limite parler à personne, c'est pas grave. Je vais aller faire des choses avec des gens sans forcément leur parler, mais au moins je serai avec des gens. Donc voilà, c'est le chaos total. Total chaos. Bon. On y va, ciao. Two very boring minutes later. Bon, ça y est, je suis prête pour mon cours. Les gars, je viens de recevoir un texto. Alors vous allez pas... vous allez pas me croire, mais apparemment j'ai un cousin ici. Genre un cousin américain que j'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais ni d'Adam ni d'Adam. Il s'appelle Justin. Donc je vais aller le voir et puis voilà. Et là les gars, dites-vous que j'en ai tellement marre de marcher que je me suis pris un abonnement aux trottinettes électriques. Comment vous dire que j'ai un peu peur de ce qui va arriver. Mais bon, on est ready. C'est parti. Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Before I drink, and I'm so caught up in the news of who likes me and who hates you, and I'm so tired that I might quit my job, start a new life, and they'd all be so disappointed, cause who am I if not exploited? And I'm so sick of 17, where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry, and I don't stick up for myself.
24 hours later. Hello. Bon les amis, aujourd'hui on est dimanche et ça va bientôt faire du coup une semaine que je suis ici. Hier je suis allée à Melrose Avenue après ça, j'ai oublié de le dire. Et en vrai c'était super sympa. Je savais pas qu'il y avait un quartier comme ça à LA, hyper vivant dans le nord en fait, à West Hollywood. C'est pour ça que tout le monde me dit d'habiter à West Hollywood. Je pense qu'il y a plein d'endroits cool de quartiers où plein de magasins, où il y a une activité, plein de petits restos sympas, de cafés. Enfin là vraiment j'ai envie de faire trop de trucs. J'ai trop envie d'habiter dans ce coin là. Et justement j'ai trouvé des petits apparts vers là, bon cher, mais ça pourrait le faire. Sinon là cet après, je vais faire la randonnée jusqu'au Signe Hollywood avec ma nouvelle amie du cours de sport. C'est vraiment random, mais ça va être cool. On a prévu un pique-nique et tout. Et voilà, c'est très bizarre cette vie qui commence ici. Mais là, je commence à prendre mes marques et j'ai hâte juste d'avoir mon appart, d'avoir une stabilité un peu. Et c'est cool.